dernière opération avec Open Orienteering Mapper. Nous allons donc procéder à l'exportation de notre carte dans un fichier au format KMZ. Au préalable, dans le volet latéral droit, nous allons déplacer la carte vers le bas, décocher la case à cocher devant, puis depuis le menu fichier exporter comme KMZ. Dans le volet latéral droit, cette fois-ci, nous allons bien activer afficher les modèles. Vérifier que la résolution ici choisie correspond à la résolution de 300 dpi. Nous allons ici simplement ajuster la zone d'impression pour la faire correspondre à la surface de notre carte. Quand la zone délimitée correspond à la carte, nous cliquons donc éventuellement sur le bouton aperçu pour voir une idée du rendu. Si celui-ci nous convient, nous procédons à l'exportation. Le fichier KMZ est enregistré dans le même dossier que notre carte. Avant de quitter le logiciel, nous enregistrons également la carte au format d'Open Orienting Mapper. Cette étape est indispensable car c'est ce fichier qui sera utilisé dans Purple Paint pour ensuite créer nos parcours de cours d'orientation.